Et salut, on se retrouve aujourd'hui pour le compte-rendu vide-grenier de cette semaine avec les achats de la semaine. Donc le vide-grenier ce matin, c'était une horreur, beaucoup de monde. Donc je vais vous présenter quand même ce que j'ai trouvé, pas grand-chose. Et je vais vous présenter les achats de cette semaine. Donc on va commencer par les achats. Donc j'ai acheté The Order sur PS4, le coffret collector, qui n'est pas exceptionnel. J'ai pas fait d'unboxing parce que j'en ai déjà vu pas mal et puis franchement, il n'y a pas grand-chose à présenter. Le jeu est pas mal. J'en suis à la moitié. C'est vrai qu'il a l'air assez court. Par contre, graphiquement, c'est une tuerie. Il est vraiment magnifique. Je me suis pris un amiibo. Donc le amiibo tchèque. J'en ai un autre que je dois recevoir, mais je devrais le recevoir dans la semaine. Ensuite, j'ai pris sur eBay, donc là, il faut que je nettoie la boîte, mais le Tetris sur Game Boy en boîte. Alors, je l'ai pris pourquoi? Parce qu'en fait, Tetris, on ne le voit jamais en boîte sur Game Boy. Donc je trouvais ça assez sympa de l'avoir en boîte. Et avec, il y avait la boîte de Super Mario Bros. Deluxe. J'ai pris un petit lot de boîtes pour Game Boy. Donc la boîte de Dr. Mario. C'est mon jeu préféré. Même si sur Game Boy j'aime pas trop parce qu'il est. En fait, on le voit pas en couleur, quoi. Donc c'est un petit peu plus compliqué à jouer. Le Tetris DX et Wario Blast. C'est tout pour les achats de la semaine. Donc on enchaîne avec les trouvailles du vide-grenier. Donc je vais vous présenter ce que j'ai trouvé et je vous présenterai aussi ce que Nénette a trouvé puisqu'on l'a fait ensemble. Donc moi ce que j'ai trouvé, vraiment pas grand-chose. Mais bon, j'ai trouvé sur un stand, il y avait deux jeux, NFL Quarterback Club 98 et 1080. La dame les faisait 5 euros pièce. Donc je les ai reposés tout de suite. Et en fait j'ai eu les deux pour 1,50€. Donc Normal. je les ai pris. Ensuite j'ai pris un lot de jeux. Alors quand je suis arrivée autour du carton, tout d'un coup il y a eu une ruée en fait sur le carton. J'ai eu un petit lot de jeux, donc le Popeye sur NES, le Super Mario 3. Par contre il y a un petit truc à l'intérieur, il faudra que je l'ouvre. En général c'est juste un petit bout de plastique qui est cassé. Le Robocop, Tintin au Tibet et Wolverine. Et ce lot-là, en fait, je l'ai eu pour 15 euros. Donc bon, ça me paraît correct. Et j'ai trouvé aussi deux jeux Master System. C'est vraiment parce que Golf Mania, celui-ci est complet. Et Great Golf, par contre, celui-ci, c'est pas le bon jeu à l'intérieur. C'est Miracle Warriors. Je sais pas ce que c'est. Et ça, je l'ai eu pour 2 euros. Moi, c'est tout. Nénette, qu'est-ce que tu as trouvé, toi, ce matin? Un DVD. Un DVD. Cheval de guerre. 1 euro. 1 euro. Ouais. C'est Spielberg. C'est pas mal. C'est Ouais, pas. bah, moi, dès qu'il y a des animaux et que c'est triste, j'aime pas. Ouais, c'est particulièrement triste en plus, Ah, ça. c'est pour ça que j'aime pas. Mais non, c'est pas mal, hein, ça se regarde bien, c'est un bon film du dimanche, ça. Tu restes en jogging et puis tu te mets ça. Des coffrets? 4 size, parce que moi je les avais pas. Coffret 4 size. Il va me manquer un, hein, du coup. Le 2, le Ah, deuxième. mais ouais, ah oui, d'accord, il te manque le deuxième, exact. Mais ça, c'est pas grave, ça se trouve. La preuve. Elle est venue à 5 euros. Ah ouais, j'ai eu les 2 pour 8. Normal. C'est cool. Alors, ça, toi, t'as fait une super affaire. Ouais. C'est un truc de fou. Bah, c'est pareil, c'est les années Club Dorothée. Hein. Ouais. Je sais pas combien il y a de coffrets. Nils Holgersson, il doit y en avoir 3 ou 4, je crois. Ouais, quand même. Bon, après, si je les paye tous ce prix-là, ça devrait aller. Je vais pas me ruiner. Ouais, carrément, puisque ce coffret-là, J'ai donc 4 payé DVD, 50 centimes. 50 centimes. La dame faisait 20 centimes les DVD et 50 centimes le coffret. Voilà, Voilà. elle en avait qu'un. Ou alors, elle n'en avait plus qu'un, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on est passé, elle faisait 50 centimes. Ok, Ok, cool. hein, on prend. Ouais. Donc, c'est tout. Et tout. Donc voilà pour les achats de cette semaine et le vide-grenier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et je vous dis à bientôt et bon jeu à tous. Salut, salut!